les amis, nous voilà avec Gribouille, Monsieur Gribouille. Alors Gribouille, c'est un petit chien lion, parce qu'on retrouve la trace de ce chien depuis le 15e siècle, et avant, dans les années 60, ce chien était tondu comme un lion, c'est-à-dire avec une belle crinière devant, pompon à la tête, pompon au jarret, et tout le derrière là dégarni. Mais Gribouille, il est venu pour son bain, voilà, juste un bain. On va un petit peu fignoler sa robe, et on part tout de suite avec un spray de chez Emmy pour assouplir le poil, faciliter le démêlage, passage des picots de la brosse. On fait mousser tout ça et on fait une petite finition. Tout ça sur mes propres chansons. Un Gribouille. Des chansons que j'ai écrites pour chanter pendant que je toilette les chiens. Le son est pourri parce que ça a été enregistré en 93 avec un simple Walkman. Quand on aura le temps, on fera mieux. Le petit chien lion comme Gribouille ressemble, celui-là en tout cas ressemble à un caniche. Pourquoi? Parce qu'il y a du caniche dans ses ancêtres. Gribouille à la robe, à une robe grise. Mais on peut trouver un peu de toutes les couleurs ces chiens-là. Les petits chiens lions. Voilà. Les oreilles, on va dégager ça un peu. Société de l'envie.
nous avons tous aimé. Je demande ma part de vent. Je demande ma part de vent. Oh, venant. Thank you.
l'occasion. Pendant qu'elle prépare le trousseau du futur bébé, comme la nature ne dénie pas tous nos trajets, il y a eu un accident. Le papa est décédé, mais l'embryon n'aura pas de regret. Quand Marion plus tard pensera cette blessure, elle constatera que son amour est resté comme une soudure. La mémoire de son mari en sortira grand bien, bébé lui promet ainsi. Mais pour les magistrats, les choses ont un autre parcours. Ils ont leur comité d'éthique qui invente les voies de retour. Hey, c'est quoi toi? Jusqu'à la fin de leur discours. Durant ma vie, si je devais un jour traverser cela, à tout un chacun pourrait arriver ces événements délicats. Comprenons bien les autres, assez d'hypocrisie, mais on pas comme certains cristolates. On décide de pas les œuvres, donnons-leur de liberté. De notre action, on a la coutume de les respecter. Pour eux, comme si l'enfant leur disait papa, maman, elles portent les mêmes vêtements. Au-dessus de leur tête, le ciel a noirci tel de leur destin. En voyant les autres se promener la main dans la main, Marion est gelée. D'une paillette congelée. Je ne voudrais pas ici dire des choses brutales. Pour connaître la décision des juges, je déplie mon journal. Sans aucune compassion, ils ont refusé à Marion de porter son petit embryon. Mais à tous les philanthropes qui jugent que ce bébé a des droits, il nous chantera cette chanson avec effroi. Je te libère. Bois de l'eau de Ravenala.
Garder l'espoir que tu pourras commettre quelques erreurs.